Bonjour, le live streaming ou live stream ou vidéo en direct est la tendance marketing qui fait le buzz depuis 2015. La vidéo a profité de l'explosion de la consommation vidéo mobile et des réseaux sociaux sur lesquels ces formats se diffusent. Une méthode pour booster la stratégie digitale des marques en direct via les réseaux sociaux. Interactivité, engagement, innovation, visibilité, proximité avec son audience, voilà les grandes forces d'un format live. Les objectifs sont nombreux et les opportunités sont infinies. Aujourd'hui, le social streaming apparaît également comme une nouvelle possibilité pour les médias et les marques de communiquer. L'expérience live est de plus en plus répandue et surtout, elle devient très appréciée. Ce dialogue immédiat est la suite logique des réseaux sociaux et des blogs qui sont déjà présents depuis une quinzaine d'années. Le live streaming permet d'augmenter le capital sympathie de la marque sur le web. La vidéo live peut également aider à générer du trafic. Elle pourrait avoir pour but de monétiser si la marque le souhaite. Mais un live est surtout une opportunité pour gagner en visibilité et en notoriété. Il est également un moyen d'interaction entre la marque et les consommateurs. Selon Damien Douani, c'est une opportunité de créer une connivence, une complicité au travers d'histoires ayant un véritable attrait, des histoires qui proposent de l'exceptionnel, de l'inédit, qui tirent parti réellement de cette possibilité de tendre la main au spectateur pour l'emmener dans son univers ou tout simplement lui rendre service. C'est ainsi que les Love Brands deviennent des Live Brands et ces marques auront des possibilités infinies pour créer des nouveaux contenus et de nouvelles expériences, mais cette fois-ci en temps réel. Maintenant, comment utiliser le live stream? Il y en a plusieurs possibilités. On nomme quelques-unes. Par exemple, un événement ou une visite authentique. Le live stream permet aux abonnés de vivre un événement en direct ou de pénétrer dans les coulisses de cet événement. De par son authenticité et l'absence de possibilité de faire un montage ou des retouches, il rapproche le spectateur du diffusé. Inutile de chercher la perfection, mais plutôt la spontanéité à l'heure de faire découvrir le quotidien de son entreprise ou encore l'envers du décor. Par exemple, on peut faire des ventes ou des news flash. Le live est l'occasion de présenter en avant-première la nouvelle gamme des produits que la marque propose, de récolter des avis en ligne ou encore de proposer à la communauté des promotions instantanées et des offres limitées. Il y a également des séances d'échange direct entre marque et consommateur. La marque génère de l'interaction avec ses clients, elle est à leur écoute, elle est à l'écoute de leurs besoins, elle montre l'étendue de son savoir-faire. Dans le live, il n'y a pas de filtre. Seules les compétences et une bonne maîtrise de son contenu aideront la marque face à des consommateurs de plus en plus exigeants. Donc, Periscope, Facebook Live ou Instagram Live, que choisir? Cela dépend du profil de votre marque et de votre communauté, de leurs habitudes et de leur activité sur ces réseaux sociaux. Par exemple,
Periscope permet de diffuser ses vidéos en live sur Twitter, mais aussi de mesurer des retombées grâce à des indicateurs tels que les taux d'audience ou encore le nombre de commentaires. Il est également possible de programmer sa vidéo ou de la diffuser en direct de sa caméra GoPro. Sur Facebook Live, par exemple, une vidéo live reste en haut du flux des activités de la marque durant sa diffusion, puis elle est traitée comme une autre vidéo classique, ce qui permet plus de visibilité à cet événement. Comme sur Periscope, il est possible de programmer le live. On annonce alors aux consommateurs à travers des publications et dans le flux d'actualité pour proposer aux consommateurs de venir vraiment débuter ce live avec la marque. Il y en a plein de possibilités. Il faut choisir la vôtre en fonction de votre marque et de vos envies. Je suis Ralia Boustany de Hoxter et je vous propose de contacter miaodesign.fr pour votre projet live streaming. À très bientôt avec de nouvelles vidéos.